الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم à l'occasion de la sortie de ces deux premiers titres de la collection que la maison d'édition algéroise El Mektab El Filsafia Sofia, librairie de philosophie et de soufisme, commence à lancer et qui va comporter, Inch'Allah, 6 volumes qui sont tous des volumes originaux, ce ne sont pas des rééditions, ce sont de nouveaux livres qui sortent et qui comporte deux traités et 4 éditions critiques sur la base de manuscrits, tous inédits à propos de la Tariqa Maulawiya et de certains de ses aspects. 2 autres titres sont au niveau de l'imprimerie, ils vont en sortir, Inch'Allah, incessamment, vous le saurez en suivant sur ma page Facebook ou la page de la librairie de philosophie et de soufisme. Nous avons voulu commencer, inaugurer cette collection par cette première conférence, si on veut dire, qui a pour objet la rencontre des deux océans, Shams Tabrizi et Maulana Rumi. Cette rencontre, qui est un point de détail de l'histoire de ces deux grands saints de l'islam, suscite l'intérêt des universitaires et des académiciens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des points qui restent à éclaircir et il y a eu jusqu'à récemment des découvertes qui ont permis à ces académiciens de faire la lumière sur certains aspects de la rencontre de ces deux grands saints de l'islam, très très particuliers. Mais cette rencontre devrait aussi intéresser les itinérants, Salikin. Pourquoi ? Parce qu'elle porte en elle beaucoup d'enseignements qui pourraient les aider dans leur itinérance spirituelle. Fisulukihim ilallah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, donnons quelques points de biographique sur ces deux personnages. Rumi, qui s'appelle plus exactement Muhammad Jalaluddin, fils de Muhammad Bahauddin Walad, et il est né le 6 Rabi' al-Awwal 604 de l'Hégire, c'est-à-dire au 7e siècle de l'Hégire, ce qui correspond au 30 septembre 1207. Dans la petite ville moyenne de l'actuel Tadjikistan, qui s'appelle Warsh, qui est située à une 60aine de kilomètres de Dushanbe, qui est l'Asema, qui est la capitale du Tadjikistan. Et dans l'ancienne province de Belgh, la capitale de cette province de Belgh, la ville de Belgh, est situé dans l'actuel Afghanistan. Le tout était situé à l'extrême nord-est de l'Iran. Il faut savoir que l'Iran a perdu des territoires jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec l'URSS durant la Première Guerre mondiale, etc., avec la Turquie, ottomane, etc. Mais l'Iran, c'est une culture plus que c'est un État, c'est une culture dominante par sa force, par sa langue, etc. Et qui comprend des espaces où les ethnies sont pas forcément persanes, même si elles sont de langue persane, mais souvent, comme on va voir,
pour Rumi dans un espace seldjoukide, c'est-à-dire turc, une des races turques, une des tribus turques, mais de culture persane et de langue persane. Donc, en fait, Rumi est né à Wakhsh. On l'appelle, disons, l'Aqab en arabe, on l'appelle le Belkhi, parce que Wakhsh, qui est dans l'actuel Turkménistan, appartient à la province de Belkh. Bon, ben, il décéda après, bon, je ne vais pas vous raconter sa vie, bien sûr, elle est pleine de péripéties, etc. Et il va décéder à Konya, en Anatolie, en actuelle Turquie, République turque, en 1273. Donc à Konya, il y a son mausolée, son tombeau et son mausolée, ainsi que ceux de ses autres, son père. Il vécut donc pour l'égir au 7e siècle, pour l'ère chrétienne au 13e siècle, un 13e siècle connu pour ces tumultes et ces guerres et ces violences extrêmes. Il faudrait peut-être demander quand vous apportez une chaise. Donc, Kadia, succinctement, c'est qui Shams Tabrizi, plutôt Rumi. Et Rumi, vu son importance, mais chez qui on dénigre nos saints et nos lachor, hein, les pays Adoma, les quatre pays Ado, ils se disputent, disons entre guillemets, ils se disputent l'honneur de son appartenance. Hein. Tadjikistan, la Zedendna. L'Afghanistan, elle dit oui, Zedendna, parce que la province est essentiellement afghane. L'Iran, Zedendna, parce que ça appartenait à l'Iran. À l'époque, il y avait la dynastie Khwarizm. C'est une dynastie turque. De race turque, c'est là-bas comme les races turques sont, qu'il y a une bzef, les Turcs, les Tadjiks, qu'il y a une bzef. Donc l'Iran se dispute, bien sûr, parce que Rumi est très présent en Iran. Et la Turquie, bien sûr, là où il a vécu sa vie, disons, toute sa vie professionnelle et spirituelle, il a vécu à Konya. Et c'est là-bas qu'il était, où il était. Il a eu la protection de l'émir, disons, de Konya, qui était en même temps, lui et son épouse, des disciples. Des disciples avant que Shams vienne déjà dans cette contrée. Shams Tabrizi, pour lui, il s'appelle Mohammed, fils de Ali, fils de Mordad de Tabriz. Il est né en 582 de l'Égypte, ce qui équivaut à 1186 de l'ère chrétienne. Le surnom Shams ad-Din, le soleil de la religion, ou encore Shamsi Parendi, le soleil volant, Ta'er, Shamsu Ta'er. On fait une petite illusion, nous sommes dans la rue, je me suis dit, Yahya Tayar, en tant qu'on parle de Ta'er, un autre Ta'er, qui est Shams Tabrizi. Plusieurs versions sont données de sa mort. En Iran, il est quasiment officiel chez eux qu'il devait décéder en 1247. Même chose qu'on dit au niveau de la Turquie. Mais il y a un tombeau qui lui est dédié dans la petite ville de Khoy, dans l'Azerbaïdjan occidental. Vous savez que l'Iran, on lui a pris l'Azerbaïdjan actuellement par la. C'était la Russie qui lui a pris cet Azerbaïdjan. Donc il reste une partie de l'Azerbaïdjan. Il y a deux provinces en Iran actuel qui s'appellent Azerbaïdjan. Azerbaïdjan Sharqiya ou Gharbiya. Donc c'est là-bas dans cette ville de Khoy où il y a le mausolée de Shams Tabrizi. Actuellement en Iran, le 29 septembre de chaque année, c'est la journée de Shams Tabrizi. Le 30 septembre, c'est la journée de Rumi. Vous voyez quand même, c'est.
dans les fêtes en Iran, dans les décès, etc., on chante. On chante les poèmes de Rumi. Bien sûr, dans les tekiyeh, soufis, etc., toujours on chante aussi les poèmes de Rumi, comme les poèmes de Attar et d'autres. Donc, quand est-ce qu'il est mort? Pour les Iraniens, il est mort en 1947. Il est enseveli. Bel-Ijmaq, si on peut dire. Donc, dans cette riwaya, il est dit que Rumi et Shams, comme à leur habitude, et ça se passe après la deuxième venue de Shams à Konya. Donc, ils étaient dans leur khalwa, et voilà que vient cette personne et, qui demande à Shams de sortir. Donc, et là, on lui demande de sortir, et Shams dit à Rumi, ils veulent me tuer. Donc, et là, Shams sort, Rumi reste dans sa khalwa, parce qu'il est dans une khalwa, et après, on découvre qu'il a disparu et qu'il y a juste une goutte de sang. Il a émis un cri et puis il y a une goutte de sang qui est restée. Ça, c'est une version. Donc, Donc après, Sultan Walid, le fils qui est aussi le fils spirituel et le fils Ibn al-Luh ou Ibn al-Ruh de Rumi, parmi ses fils, c'est lui qui devait perpétuer la tariqa. Sultan Walid va faire un songe où lui sera révélé l'endroit du corps de Shams dans un puits à Konya. Donc il va le faire sortir, le repêcher, et il va l'ensevelir dans une des écoles de la ville, des écoles religieuses de la ville, à côté de cette... La plupart des écoles à côté, on fait les tombeaux des enseignants, des élèves, des ulama, etc. Une autre version... Toujours de Sultan Walid, parce que cette version de Sultan Walid, elle est racontée par Aflaki. Aflaki qui a fait un grand traité sur la tariqa, la vie de Rumi, etc. Mais Sultan Walid lui-même a écrit en vers la géographie, disons, et la biographie, la géographie de son père, ainsi que de la voix maulawi. Et dans cette version, lui, il dit que Shams ad-Din Tabrizi, suite aux différentes pressions des gens de Konya et des soufis de Konya, qui ne pouvaient pas le supporter, il lui a dit, je vais partir, et cette fois, je ne vais plus revenir, vous n'allez plus me revoir. Donc ça c'est la deuxième version, et selon cette version, on ne connaît pas quand est-ce qu'il est mort et où il serait enseveli. Et Khaled Mohamed Abdou, l'auteur d'un des livres qui est un spécialiste de Rumi, il a plusieurs publications sur lui, et qui a avec le site qui s'appelle Tawassim, qui est connu dans le milieu soufi. C'est un site sérieux qui publie des articles par des universitaires. Et c'est un site vraiment sérieux sur le soufisme qui s'appelle Tawassim, du nom d'un des ouvrages de l'Hallaj. Donc pour lui, c'est cette version qu'il préfère. Une dernière version, c'est par l'ancien directeur du musée de Maulana à Konya, qui dit que j'ai découvert la tombe de Maulana dans le mausolée qui lui est dédié à Konya. J'ai visité moi-même ce mausolée, c'est une petite mosquée dans laquelle il y a un mausolée. Dans cette tombe, sous le tabout, hein, il a trouvé des escaliers qui mènent vers son qabr. Et c'est souvent le cas, c'est souvent comme ça.
Donc le tombeau du saint, là, il est en fait plus bas, loin de la... Donc c'est ce qu'il prétend, il l'a montré à des spécialistes, et voilà, ça c'est une autre version. Ça. Je voulais vous faire le tableau de tout ça. En fait, ça c'est vraiment dramatique, hein. Vous voyez que c'est vraiment dramatique, ce qui a inspiré une certaine romancière bien connue, qui a au moins le mérite d'avoir attiré l'attention du large public vers ces deux grands personnages autrement plus sérieux, autrement plus graves que sont Shems et Maulana Rumi. Revenons donc à l'objet de notre conférence, qui est la rencontre elle-même. Shems Tabrizi était un soufi errant. On dit en arabe « sa'ih », et en perpétuel « si'aha ». Il était toujours en perpétuel « si'aha ». À travers ces longs périples, il cherchait, si je puis dire, l'âme sœur, du point de vue spirituel et non pas charnel. Il ne pouvait divulguer ce qui remplissait son être entier jusqu'à l'épuisement et l'effondrement. Hein, rappelons-nous l'imam Ali, après le fête, etc., qui a lâché notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se plaindre qu'il ne pouvait plus retenir ce qu'il avait dans son sein. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va dans le Sahara, creuse un trou et parle dans ce trou. Parce que ce n'est pas des choses qu'on parle aux gens et qu'on révèle. C'est des choses qui restent dans l'intimité de la personne. Et l'imam Ali, c'est lui, Bab Madinatul Ilm, la porte de la ville de la sagesse, essayons d'imaginer quelles sont les sciences qui sont à l'intérieur de lui. Idem pour ce Shams, qui est un des successeurs du prophète et de l'imam Ali dans la connaissance ultime, la connaissance vraie. Il ne pouvait plus, il cherchait la personne avec laquelle il parlait de Irfan, comme on dit. Et souvent, c'est le cas. Souvent, c'est le cas. Mais pour lui, c'était adab de rester comme ça. Et malgré cette longue siyahat dans tous les pays d'Orient, on ne sait pas exactement où il a pu aller, mais on sait qu'il était à Damas à plusieurs périodes. Donc il n'a jamais trouvé la personne avec laquelle il pouvait faire sortir. Voilà ça. Donc il cherchait. Donc presque de guerre lasse, mais pas de guerre lasse vraiment. Il invoqua Dieu dans sa prière en lui demandant de lui montrer cet être caché et cet être bien-aimé de lui qui devait être son âme sœur et avec qui il devait partager donc ses connaissances, si on peut dire. Alors, quand il a fait cette prière, il a dit, j'ai traduit, cet être inconnu aimé, il a dit, mon Dieu, montre-moi cet être inconnu. Donc, et je sais que un pareil don, il a toujours un prix. Hein? Il a toujours un prix. Alors, on lui a insufflé dans quel prix pourrais-tu payer pour ça? Il a dit directement, sans hésiter, ma tête. Il a dit ma tête. Je devrais rencontrer cet homme qui est l'amour de ma vie et qui est mon âme sœur spirituellement. Et après ça, je pourrais mourir et dramatiquement parce qu'il a dit ma tête. À cette époque, au XIIIe siècle, que ce soit en Occident ou en Orient, ce n'est pas les têtes détachées du corps qui manquaient. Il y en avait, d'ailleurs, Rumi, avec son père, ils avaient quitté Belch, la région de Belch, suite à un songe pour se sauver de l'invasion mongole. Voilà. Mais d'autres soufis sont restés, hein, comme récemment. C'est un très grand soufi. Il est resté, il a fait le djihad, il est mort, il savait qu'il allait mourir, mais il est resté à Belch.
jusqu'à la fin. Donc, sa prière fut exaucée. Et enfin, il rencontra Shems. Mais la plupart des gens pensent que Shems a rencontré Romy à Konya. Ce qui est vrai, mais ce n'était pas ça la première fois. Il y a quelques dizaines d'années, on a découvert un manuscrit au musée de Romy. Personne ne lui a fait attention à ce manuscrit. Et ce manuscrit renferme les maqalettes de Shams Tabrizi. Plusieurs professeurs et académiciens, maintenant, après analyse de ce livre, ils assurent que c'est un livre qui émane de lui. C'est-à-dire que ces maqalettes ont été soit écrites, soit dictées par lui, par Shams Tabrizi. Et dans ces maqalettes, il révèle qu'il avait vu Romy à Damas. Il l'avait reconnu parce que dans son songe, Dieu a répondu à sa prière. Il lui a montré Romy, il lui a montré Konya, le pays où il allait rencontrer Romy. Mais lui était alors à Damas et il va voir Romy en personne. Il voulait s'approcher de lui, mais un hadith lui dit: ne t'approche pas de lui, c'est pas le moment de votre rencontre. Le miyahin bad, zemen, liqa'akuma. Bon, Shams Tabrizi s'est résolu à patienter encore. Et il allait partir vers Konya, prendre son bâton de voyageur et repartir vers Konya. Plus tard, Romy écrira dans sa Mutanawi qu'il va écrire après le décès ou après la disparition de Shams, parce que lui n'était pas encore poète. Il devint poète Belharqa, avec le. Voilà. Donc il dira, pour rappeler cet intermède de Damas, il dira que là où tu trouves l'amant, tu trouveras aussi l'aimé. C'est-à-dire, pour forcément, si on trouve l'amant, c'est forcément l'aimé est avec lui. Hein? Même si l'aimé est Dieu, donc, bil-ma'iyya de Dieu, elle est toujours avec l'amant. Et il a dit donc aussi, les assoiffés cherchent l'eau dans ce monde, mais aussi l'eau est aussi amoureuse des assoiffés. Même l'eau est amoureuse de l'atchal. العطاش يبحثون عن الماء والماء متشوق الى العطاش كذلك سي بور سا كيل فيه النفع الماء يروي لانه محب باسكو لام سينو ما يرويش دونك سينو افلاكي aussi شمس entra à Konya le 29 novembre 1244 de l'ère chrétienne. Maulana était sorti de sa madrasa, vêtu bien sûr des vêtements des ulémas, avec sa imama de ulama, avec ce tibet, donc parce que la beauté elle est nécessaire en islam. Et il montait sur sa mule à la barlati. Il était accompagné de ses élèves de part et d'autre qui l'accompagnaient en marchant de l'école vers sa maison. C'est là que, sorti de nulle part, Shams Tabrizi, vêtu de l'habit des derviches, des majadib, lui cria: ô cheikh, qui est pour toi le meilleur, Muhammadun Rasulullah ou Bayazid Bastami? Toujours, Shams, c'est quelqu'un qui attaque, qui fait bouger, qui fait comme ça. Voilà. C'est souvent le cas dans Al-Majdoub Selk. Il attaque à Shams. Donc,
Rumi, Maulana, lui répondit, qu'est-ce que c'est que cette question? Le sceau des prophètes, d'où peut-on comparer ce pauvre Yani Bayazid Bistami au sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'Anbiya. Allah, c'était le coup, comme disent certains, de lance-flamme de Shams Tabrizi. Il lui lança un coup de lance-flamme pour le. C'est toujours le cas parce que les maîtres font passer leurs élèves par des épreuves. C'est pas comme ça avec la bienséance, etc. C'est toujours l'élève, il faut qu'il passe par le feu de l'épreuve. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Et cet épisode, justement, Rumi le raconte en vers, en disant, tout en symbole, « J'étais cru, je suis cuit, et maintenant je me consume. » Je me suis consumé, il n'y a plus rien. Et aussi dans un autre vers, il a dit, j'étais mort, je devins vivant. J'étais pleur, je devins rire. Le règne de l'amour est venu et mon règne devint éternel. Donc, Rumi répondit ainsi à Shams, Bistami n'était pas un grand assoiffé. C'est pour cela qu'il ne but que très peu de l'eau de la connaissance. Notamment parce que son verre a débordé à la première station spirituelle qu'il a atteint. C'est ça la réponse de... Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tandis que le prophète qui parvenait dépasser en un seul jour 70 stations chaque jour. Je rappelle à l'auditoire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inni la astaghfirullah fil yawmi yani 70 marratan. C'est pour ça que beaucoup de maîtres spirituels, quand ils donnent l'istighfar, ils donnent 70. Voilà. Donc ces 70 istighfar, elles coïncident aux stations que atteint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chaque jour. Et dans chaque nouvelle station, il apercevait la petitesse de la précédente, la petitesse de la station précédente. Ce qui l'emmenait à demander le pardon de Dieu et l'istighfar, de s'être contenté de cette modeste station dans le passé. Et c'est là pourquoi il disait ce qu'il disait et que Bistami disait aussi ce qu'il disait. Quand Shams entendit cette réponse, hein, personne n'a dit ça avant Maulana, il poussa un cri et s'évanouit. Après, Maulana le porta à l'école, à son école, à sa mère personne. C'est comme cela que débuta cette amitié entre ces deux hommes. Durant 3 années, pendant lesquelles les deux hommes s'enfermèrent des mois durant dans la khalwa. La khalwa de Maulana. Cet enfermement, cette khalwa qui les réunissait tous les deux, elle a fini par cet arrachement violent, ce jadb, déchirer les derniers voiles de Shams Tabrizi et les derniers voiles de Rumi. On parle de que on dit souvent Shams c'est le maître de Rumi, etc. Non. Rumi était un maître accompli et Shams était un maître accompli. Et le jadb nécessaire à Rumi, il a eu de Shams. Et le soulouk nécessaire à Shams, il a eu de Rumi, le alim, le mutasharri, dans la voiture de la sharia. Donc le jadb est nécessaire au soulouk, et le soulouk est aussi nécessaire au jadb, et donc on dit al-majdoub salik ou salik al-majdoub, la jadba, elle est nécessaire
et le soulouk, c'est-à-dire tashara, ou l'amal tadriji bishara'a, aussi il est nécessaire pour atteindre le kamal, la béatitude et la. Et cette harmonie donna de la joie à Maulana. Maulana, qui était un professeur de sharia, qui enseignait le fiqh, les usul, le tafsir, etc., et qui faisait aussi les séances de dhikr et les séances de tasawuf, disons, changea de comportement et il va commencer à danser et à chanter des nuits, des journées durant. Mais cette chose-là nous rappelle le verset coranique du Saint-Coran qui dit « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » dit « De la grâce de Dieu et de sa miséricorde, voilà ce quoi voilà de quoi il devrait se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'il amasse. » Donc, la joie de celui qui arrive, la danse de celui qui arrive, la musique qu'il entend, c'est une musique plus céleste que. Font que le saint, il est dans la joie. Et c'est ce comportement qui a choqué les élèves de Rumi et qui a choqué les habitants de la ville de Konya. Bien sûr, on est toujours dans le même point. On est toujours à la même place. On n'est pas sorti de cette auberge, ni de part ni d'autre. Hein? Il y a les excès maintenant ou maintenant. Et malgré que les deux ne se rassasiaient pas de leur rencontre et de leur. D'ailleurs, des fois, Aflaki raconte la fille de Maulana, elle entre, elle voit des choses dans la khalwa, elle voit des choses qui sortent de l'entendement. Khalina Mihkayet, mais. Et malgré ça, donc, il commence à avoir une grogne sociale à Konya contre Shams Tabrizi. Et cette grogne commence par des chuchotements, après par des remontrances explicites à Rumi, et après il y aura des menaces de mort, des menaces explicites de mort. La aqtulannak, comme dans Ikhwat. اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم على يوسف عليه السلام. C'est des choses qui arrivent dans notre voie. Chabili Darqawi Alawi, dans l'exemple de Sidi Mohamed Habib Bouzid Idriss al-Hassani, qui est le saint et le maître de Cheikh Alawi, qui était parti suite à un problème. On allait l'accuser de quelque chose durant la colonisation française, ça se passait. Il s'est sauvé dans le Rif marocain. Et là-bas, il a rencontré son maître spirituel. Il est resté au service de ce maître 40 années. Avant qu'il décède, ce maître spirituel lui dira, il était le meilleur de ses élèves. Mais parmi ses élèves, je vais vous dire, c'est les trois plus grands élèves de ce maître, c'est Sidi Adda Ghulamullah de Tiaret, Sidi Al-Habri du Maroc, et Sidi Mohamed Al-Habib Bouzid. Tous, il leur a dit, partez chez vous, faites marcher, faites courir la tariqa et trouver des disciples. Seul, Sidi Hamoul Bouzidi, il a gardé à ses côtés pour le seconder auprès des fuqara dans le dhikr et dans la khalwa. Et lui, il avait un comportement complètement d'humilité. Il allait dans la montagne chercher de l'eau aux fuqara et aux élèves. Donc il allait lui-même apporter de l'eau de la source qui est plus haute dans la montagne
chaque jour que Dieu faisait pour les apporter aux élèves de son maître. Avant de mourir, il lui a dit, je vais mourir. Mais ne pars pas d'ici, ne quitte pas la Zawiya, que quand Dieu t'aura donné son idn, son autorisation. Donc, après cela, Hamoul Bouzidi est resté, il a servi les fuqara, les élèves, et la Zawiya, la tariqa, par l'enseignement, dans la khalwa, en accompagnant les gens qui entrent dans la khalwa pour faire le dhikr, et en continuant à apporter de l'eau, de la source aux élèves. Mais il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Les fils même de son maître commencèrent à le menacer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déplacé, il a construit une baraque dans la montagne, tout près de la source. Les élèves se sont déplacés, ils sont partis chez lui. Au départ, c'était un petit peu calme, mais après, ils se sont réunis pour le tuer. Ils ont décidé de le tuer. Et c'est là que ces choses-là se sont dévoilées à lui. Il a compris que c'est ça le idn de Dieu que son maître lui a dit d'attendre avant de partir. Donc, certains de ces fuqara qui étaient des autochtones du Rif marocain l'ont accompagné sur un âne ou sur un mulet dans les montagnes du Rif vers le nord, et puis après il a pris le bateau vers Mostaghana. Donc nous avons dans notre propre tariqa, un exemple d'assassinat. Aussi, il y a aussi un élève de Cheikh Al-Alawi, Sidi Mohamed Ibn Hajj, qui était un faqir du Rif aussi, dans la conclave Septa ou de Melilla, qui était venu voir le Cheikh Alawi à Mostaghanem et qui a atteint les plus hauts sommets de la Marifa. Quand il est revenu chez lui, on lui tend un piège, on le fait accuser de je ne sais pas quoi et il va être emprisonné par les autorités espagnoles. Donc ces choses-là existent. Les frères de Sidna Youssef ont fait ce qu'ils ont fait, etc. Les deux fils d'Adam, qui étaient les fils d'Adam, etc. Ces choses-là ne sont pas faciles. Vraiment, elles ne sont pas faciles. Tout le monde a eu des problèmes. Mohamed, il a eu beaucoup de problèmes en retournant chez lui, en Kabylie. Quand il est revenu d'Orient, il a eu énormément de problèmes. D'ailleurs, il en parle dans certains de ses ouvrages biographiques, autobiographiques. Donc, suite à ces dorotates, à ces pressions, Maulana, d'un côté, cédant à ses pressions, et d'un autre côté, voulant faire passer une Rumi par une ultime épreuve de la séparation, il avait décidé de quitter Konya. Il a quitté de manière précipitée. Il est resté, je crois, 15 mois loin de Rumi. Dans ces 15 mois, Rumi a fini de brûler d'amour et de chaud pour son frère et son bien-aimé frère dans la voie. Et il a écrit des poèmes, il lui a envoyé des lettres, etc. Et quand il a su qu'il était à Damas, il lui envoie son fils Sultan Waled pour le supplier de revenir. Sultan Waled, il réussit à le convaincre et il va retourner avec lui de Damas à Konya. Et le voyage va durer un mois, durant lequel Shams, déjà qui aimait Sultan Waled, qui voyait en lui les lumières de la wilaya, a partagé beaucoup de secrets spirituels avec Sultan Waled. Et il resta fidèle à cet amour jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est à lui qu'il va dire « Je vais partir cette fois, mais cette fois définitivement. » Donc, Rumi exprime sa voix du retour de son ami. Et les choses s'apaisent un petit peu dans un premier temps. Mais après, la pression revient
et les menaces deviennent encore plus pressantes, comme on a pu le décrire un petit peu auparavant. C'était un peu la rencontre d'un soufisme et un autre soufisme. Hein, on peut dire un soufisme de sobriété, qui était celui d'un maître, un alim, un théologien, et un soufi en même temps, et le soufisme de l'ébriété, de soukr, du jazb, qui représentait Shams Tabrizi. Les deux, donc, se sont rencontrés et se sont accomplis mutuellement. Donc après quelques mois, donc ils sont restés ensemble, en quelque sorte, même en comptant la séparation, ils sont restés ensemble 3 ans seulement. 3 ans. Donc, Shams a quitté ou il a été assassiné, peu importe, ça revient presque au même, puisque les deux sont dramatiques. Et Romy est resté dans sa complainte, il ne pouvait pas supporter cette séparation. Adet Kbir, qu'il a ressenti. Et il a essayé de le retrouver partout, en envoyant des émissaires, etc. Et en questionnant les gens qui venaient à Konya de tous les pays. Est-ce que vous avez vu Shams? Est-ce que vous avez vu... etc. Quand à la fin, il s'est résigné. C'est là que Metnawi, c'est-à-dire la somme de poésie que l'on connaît, commença à naître. Voilà. Et c'est de cette complainte et ce adab et cet amour, ce choc, que ces poèmes magnifiques, uniques, sont nés et dont on peut y aller profiter jusqu'à maintenant, parce qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui lit le Metnawi sans que ça le change. C'est un peu propre à la littérature et la poésie persane, qui est très imagée et qu'il y a beaucoup d'histoires, hein, de petites anecdotes et d'histoires. C'est à travers les histoires, des fois très, 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 disons... Inhabituel. que les idées et que les ma'ani très très profondes sont exprimées en images. Et ça, c'est propre un peu à la littérature persane. Ça, je finis maintenant. C'est ça que j'ai voulu. Parce que le point modal de cette expérience et de ce fruit est venu de cette rencontre. Donc j'ai voulu que la première conférence nous raconte ça. Donc maintenant, un petit mot des deux auteurs. Donc, ces deux livres, c'est des livres donc originaux, qui sont la première fois qu'ils sont édités. Khalid Mohamed Abdou a écrit ce livre en réunissant des textes à propos de l'existence et de l'existence de la Tariqa Mawlawiya et de Rumi dès le début de sa voie. D'ailleurs, quand il est sorti de Belgrade, et ils sont allés au pèlerinage en famille. Après, c'était Dimashq. C'était Cham et Dimashq. Donc, Rumi, il était dans un pays arabe, phonétiquement, de langue arabe. Après, la Tariqa Mawlawiya a connu et a né des disciples en Égypte, contre l'Égypte, et peut-être bien jusqu'à chez nous. Hein, d'ailleurs, au moins, on sait que Sidi Sen aussi, il a reçu la tariqa Mawlawiya. Je pense aussi que c'est Sidi Mohamed, je ne sais pas. Okay. Il y en a d'autres. Il y en a des saints qui ont reçu, en plus de leur maître principal, cette tariqa. Donc, Sidi Sen aussi, le fondateur de la Zawiya en Libye, et puis après dans les enfants sont devenus les rois de Libye. Il a un livre, il a fait Torok l'Arba'in, et donc il a reçu Arba'in Tariqa. Donc il a rencontré 40 maîtres représentatifs de 40 Tariqa, et eux, ils lui ont donné leur licence, leur ijaza dans la voie. Donc Khalid Mohamed Abdou, il fait le point
sur l'existence de la tariqa et des textes maulawi dans le monde arabe depuis le temps de Rumi. Depuis le temps de Rumi. Parce que depuis qu'il y a eu Nicholson, Arbery, puis après Eva de Vitré, Meirovitch, et les éditions répétées chaque année, chaque 6 mois aux États-Unis des poèmes de Rumi, et le grand succès qu'ils connaissent, bien sûr, avec une déviation, les New Age, c'est un ikhtira, c'est pas une vraie voix. Mais quand même, on dit que dans le monde arabe, on a connu Rumi qu'à travers les Anglais, les Européens, il a fallu que eux se reconnaissent cette œuvre exceptionnelle pour que nous, par mimétisme, on les suit. Ça, cet ouvrage, il le prouve que c'est faux, complètement faux. Il y a toujours eu Tariq al-Mawlawiya en Égypte, en Syrie. Mais aussi, pas dans la voie simplement, mais dans le milieu académique, en Égypte, bien sûr, en premier, et en Syrie, il y a eu de grands académiciens qui ont enseigné la littérature persane, et dans les exemples étaient plutôt Attar, Rumi, principalement, et les autres grands poètes persans. Pour la plupart, soufis, à part Ferdowsi, le reste, c'est des chantres de l'amour soufis. Donc c'est un très 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 beau travail qui a été présenté ici, beaucoup d'enseignements, des articles sur un chapitre sur Samaha, comment dire Samaha, la tolérance dans l'islam et dans l'œuvre de Rumi. Donc c'est un livre vraiment très très intéressant et on voit les grands personnages du monde arabe qui ont traduit Metnawi. On parle aussi même des éditions chez Boulaq, au début, à la fin du 18e et début du 19e, de Metnawi. Les traductions arabes de Metnawi. D'ailleurs, nous allons publier des ouvrages dans ce sens, donc des Turcs, donc des Ajam, qui écrivent en arabe sur la tariqa maulawiya, comme Hadaya al-Tarabzouni. J'ai publié ça dans notre page Facebook. Tariq al-Mawlawiya, il explique la voie, quels sont les fondements de cette voie. Et puis, il y a un certain Anqarawi de Ankara, l'autre de Tarabzon, de Ankara, l'Anqarawi qui explique, qui fait l'exégèse d'un préambule de Metnawi. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a 3 ou 4 préambules de Metnawi qui ont été écrits par Rumi en arabe. Les premiers vers de Metnawi sont en langue arabe, surtout les vers qui concernent l'histoire du Nahl. Donc ils sont écrits en langue arabe, Tabarrokan bil-lugha al-arabiyya, et puis ils continuent en persan, bien sûr. Bon, il ne faut pas s'étonner parce que les Seljoukides étaient de culture persane. Hein. Même maintenant, dans la Turquie actuelle, malgré que les grandes familles de noblesse et d'aristocratie, quand ils sont entre eux, ils parlent persan. Oui, c'est la langue de la grande littérature. Il faut savoir, on ne peut pas la dépasser. Donc, le deuxième livre, c'est une traduction d'Anne-Marie Schimmel, la grande spécialiste allemande qui est décédée depuis quelques années. Son livre, I am wind and you are fire, sur la relation entre Shams et Maulana, je suis vent et tu es feu. On dit dans notre adage algérien, quand il y a quelqu'un qui a le don spirituel. Donc il est comme le bâton d'allumette. Il suffit d'une étincelle pour qu'il s'allume et se consume en Dieu, dans le Tawhid. Voilà. Donc, c'est une très, très belle traduction.
Aïcha Mohamed, Khaled Mohamed Abdou, il est égyptien. Il travaille dans une université occidentale en ce moment. Il va présenter prochainement un travail que nous allons publier aussi. Aïcha Mohamed est une Marocaine. Ils se sont rencontrés par Romy, par l'intérêt qu'ils ont de Romy. Il a plusieurs fois publié ses articles et ses travaux sur le site de Tawassin. Et c'est quelqu'un qui a étudié à l'administration au Maroc et en France. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré, disons, Eva de Vitré de Mirovitch, la Rahma. Et elle a rencontré Romy, etc. Et son intérêt a commencé. Ce n'est pas une professionnelle, une académicienne du soufisme, disons. C'est vrai, c'est une universitaire, mais on découvre avec elle la précision de la traduction et l'ISS, le senti de quelqu'un qui sent vraiment, de manière profonde et juste, les paroles de Rumi et de Shams. Donc elle publie chez nous cet ouvrage, et ailleurs elle a publié, et elle publie cette année un autre ouvrage, Rubaïyat, je pense, de Rumi. Donc, et ces deux ouvrages donc, sont très, très intéressants et pleins d'informations. Je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole à Cécile. Donc, merci, Sidi Mohamed Abessa. On peut applaudir pour votre question. Passons aux questions. Si vous avez des questions, le sujet, je sais qu'il est vaste, il y a plein de choses à dire, mais allez-y, si vous avez des questions à poser, je pense que Sidi Mohamed sera un plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y en a? Rosa? Oui, allez. Faut de l'hémologie. Ça va parler. Mais j'ai cru comprendre qu'à travers l'histoire du sophisme, il y a eu beaucoup de tentatives d'assassinat envers des disciples, envers des maîtres. Comment ça se fait que des hommes de foi, qui sont versés dans la religion, puissent recourir à des moyens aussi parvenus? D'ailleurs, dans le début, un des hommes de foi, un homme entre guillemets, qui était Iblis, il était parmi les anges, il était un dakir, un mosalli, qui était, mais plus on s'approche du but, plus le hasad, c'est-à-dire l'envie, hein, peut devenir dangereux. Hein. Et puis, ni'ma, les bienfaits de Dieu. Il y a les bienfaits matériels, il y a les bienfaits esthétiques, il y a les bienfaits spirituels. Hein. C'est les plus grands bienfaits que Dieu donne à la personne. Et donc, comme on dit dans notre adage, le mot ni'ma, mahsoud, hein, donc toujours celui qui reçoit les bienfaits de Dieu, quel que soit le type de bienfait, des fois bêtement pour l'argent, alors que l'argent c'est la dernière des derniers des bienfaits, dans tout ce qui vient du bon Dieu, il est bien en tout cas, mais ce n'est pas la science infuse, ce n'est pas la marifa de Dieu. Donc imaginez l'envie que suscita et année le fait que Adam reflète la lumière divine, reflète le visage de Dieu. Hein. Et là, alors qu'il était le dernier venu. Hein. La même chose pour Sidna Youssef et son frère Benyamin, alayhim assalam, ala abihim, ala nabihim, afdal salat wa salam. Les derniers venus, et tous sont nés, babahum et Yaqub, alayhi salam, Israël. Israël, on a drak. L'envie, en quelque sorte, et comme disait le Coran, et c'est Naïus à la fin, donc, ça, il faut que d'abord, c'est des êtres humains supérieurs, mais plus on est dans le firmament, plus ça devient dangereux. Quand on fait la course, hein, les derniers 100 mètres, là, donc c'est le plus dangereux. Soit on arrive, soit on n'arrive pas, des fois on se casse la gueule, on a des accidents. C'est là-bas que c'est très dangereux. D'ailleurs, même les professeurs de gymnastique, d'athlétisme, les derniers 100 mètres. Parce que c'est très dangereux.
foi. Donc, on est, en fin de compte, il n'y a que Dieu qui est Dieu. Alors, D'ailleurs, c'est une leçon pour nous. Même, des fois, donc, Ibn Arabi, dans ses Futuhat, quand il parle de Iblis, il nous déstabilise. Vous voyez, parce qu'il faut faire attention en laissant à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on voit? On voit les leçons qu'on doit prendre. Ça nous attire notre attention sur le Ayoub Nahna, Kamel Finaj. Donc, c'est ça l'intérêt de tout ça. C'est-à-dire, le soufisme, ce n'est pas quelque chose qui vous dit, aïe, oh, tout est beau, magnifique, comme les politiciens ou comme les sectes. Hein? Aïe, Jibdar Makwaya. Adou les sectes, la politique, c'est comme ça. Le soufisme, c'est pas facile. وهذا اللي علم عنا السوفيزم il va dans les profondeurs des profondeurs de l'âme humaine. Oui, il n'y a que dans le soufisme, dans l'enseignement des maîtres, que on trouve ça. Mais dès que les personnes arrivent au Kamel, الراسخون يرسخ في التاريخ الراسخون في العلم خلاص يصبح يصل الى درجة العصمة بالله تعالى ويصبح مستحيل عليه يعني يوصل لهذا لا سيما في الأمة المحمدية أمة الكمال لأن النبي أكمل الكاملين يعني كل نور بنور الهاشمي كمان les attributs de Dieu ne sont pas réunis dans les prophètes. Il n'y a que chez Mohammed qui sont réunis. Ils ont des attributs de Dieu chacun, mais pas tous les attributs de Dieu réunis sont réunis que dans Mohammed صلى الله عليه وسلم. فالكمال الإلهي يعني وصل إلينا لأننا أمة محمد et chez les grands. Mais les disciples, comme nous, on peut devenir plus grave que le diable. Une autre question, s'il vous plaît. Salam alaikum. Pour le fils de Rumi, Sultan Ouane, j'ai lu que c'était lui qui avait lancé en quelque sorte la tariqa Moulam. Est-ce que c'est à partir de lui ou c'était avant lui? Non, mais déjà. Tariqa Mawlawiya, c'est Rumi qui l'a lancé. Mais ce n'était pas lui le successeur de Rumi. C'est un autre élève que Rumi a désigné. Mais Rumi savait que le Kamel était chez son fils. Donc c'est son fils qui a un peu organisé les choses. On sait que Rumi dansait, mais de manière spontanée. Ce n'était pas de la danse, donc, qui va chez Rolo. Organisé, schématisé, il y a un scénario, même si c'est beau, il y a beaucoup de ma'ani, etc., bien sûr. Mais Rumi, il était dans la spontanéité. On raconte même un jour quand il marchait dans le souk et il y avait Zanqat, on dit le Haddadin ou la Haddak, واحد اللي خبط منا الاخر سقسطيره الاخر يخبط كذا. Le bruit, donc les coups, il a entendu le rythme, il a commencé à jdep, il est parti en dansant. Et c'est ça qui a choqué ses disciples. Nous avons un autre exemple de ça chez nous, chez cette grande société qui est la nôtre, mais dans Manarfosh Kremantah. À Bijaya, non, c'est une. Vous dites la Raoul est grand. Abu Jaya, 70 ans après la fête de Sidi Abi Mahdi al-Raoud, il y avait Abu Hassan Choustari qui était venu à Bouj, qui vient d'Andalousie, un alim, un beau personnage, venait à Bijaya pour assister au dhikr de la tariqa Madianiya dans la zawiya de Sidi Boumedine.
ça a coïncidé avec il était à Béjaïa, Ibn Sebaïn, le grand soufi déstabilisant, qui Machems, Ibn Sebaïn déstabilise. Voilà. Et ils se sont croisés. Ibn Sebaïn demande à Shushtari, où est-ce que tu es? Il est où tu es? قالوا أنا رايح أن أذهب عند سيدي بومدين يعني عند زاوية سيدي بومدين. Il lui dit si tu cherches الجنة va chez سيدي بومدين. Mais si tu cherches le propriétaire de la جنة suis-moi. Donc Shushtari, le grand poète, le grand alim, il a été déstabilisé. Il est revenu sur ses pas. Tabou, il l'a suivi. Rahl Darou, il est parti chez lui. Il l'a suivi. Ibn Sebaïn lui a préparé un dîner au Djid Loufresh. Le lendemain, il lui dit à tes ordres, maître. Alors, enlève tout ça. Ses beaux habits, cet anama et tout ça. Il enlève ses habits, il lui donne une kshaba ou une gendora de n'importe qui, peut-être avec des haillons, etc. Et il lui donne un bendir. Il donne un bendir. Il lui dit va au souk, va au marché, wadrab el bendir, ou qol had el kalam. Il dit ce premier vers, c'est un vers qui fait le maître du Sidna Rasulallah. Lui qui a la stature sociale, il est dans tous les cercles d'honneur des ulama et tout ça, qui s'habillait comme les ulama, b'tibaj, Allah, l'arme, l'ilm, etc. Il s'habille en habit ultra simple, une simple gandora peut-être sur l'ham, et Hakim Bendir ou Fissouk, au milieu des hommes et des femmes, surtout qui allaient au souk. Les femmes qui le connaissaient, on dit que les femmes qui le connaissaient, ce alim, ce beau alim d'ailleurs, ils étaient choqués de le voir pareil, truc tenu vestimentaire, et le même vers, il le répète toute la journée comme un fou. Et bien le soir, il revenait chez Ibn Sebaïn le faisait manger, il dormait après la prière. Le matin, après la prière du Sobh, voilà le Bendir, Rahl Sobh. Il fait la même chose le deuxième jour. Là, le troisième jour, il va au Souk et fait le Bendir, Idrab le Bendir, avec le seul vers de poésie de Madih, qui le répète toute la journée. Et soudain, un hal le traverse et il dit deux vers en plus, Fimet Hasidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là, en les chantant avec les mêmes lahn et l'akhiré et le bendir, c'est là qu'il est arrivé au but du soulouk, à grâce au maître Ibn Sebaïn, qui, sachant qu'il était un alim de Dar Sharia, et sachant qu'il était une personne pure, et il lui a fait passer l'épreuve du moi et de l'ego. Hein, en cassant l'ego de manière irréversible. C'était juste. Et c'est comme ça qu'il arrive. Donc là, nous avons toujours un problème avec notre ego et avec les relations maladives qu'on a avec les choses. Hein. Et quand on casse ça, c'est comme ça que les voiles se déchirent. Il faut un peu de violence, faire violence à cette nefs amara bissoum. Une autre question, s'il vous plaît, okay. J'aurais deux questions. Tout à l'heure, vous avez évoqué, en parlant de Shams et de Rumi, que Rumi était dans la sobriété et que Shams était dans une forme d'ivresse. La première question, donc, est-ce qu'on peut comparer cette forme de sobriété au Baqa dans le sens spirituel et fanat pour Shams. La seconde question, elle est un peu, disons, basique, mais quand même importante. Est-ce qu'on pourrait comparer
justement le ravissement ou bien le dévoilement comme une forme de transe. Transe comme on l'entend dans le monde moderne. D'abord, je saurais vraiment vous dire, hein, parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances ni de transparence pour percevoir ces âmes magnifiques. Mais je pense qu'ils avaient dépassé le fana et le baqa. Parce qu'en fait, ce fana et le baqa, ce n'est pas la fin, l'ultime étape. Eux, pour eux, il leur restait une ou deux étapes. Or, le fana et le baqa, ils ne sont pas l'ultime. Ils ne sont pas l'ultime. Dans l'ultime station. Voilà. Il y a d'autres stations, beaucoup plus fines que ça. Voilà. Donc, pour notre maître indirect, le maître de mon maître, après le fana ou le baqa, il est resté 2 ans pour finir ses stations. C'était à l'île Boudilmé. 2 ans, en montagne, en Kabylie. 2 ans, il est resté. Pour le retour. Le khalq bil haqq. Donc à Douma, le fana ou le baqa, je ne pense pas. Et on parle de Rumi comme étant un saint accompli quand Shams est arrivé. Il est toujours à Balk, les choses sont plus vastes qu'on l'imagine. C'est pas là. Pour le ravissement et la transe est un état modifié de conscience qui est étudié par les psychologues. On a un psychologue dans le public. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. On peut être en transe par une mauvaise chose. Les mashayikhs nous disaient al-hadra, hadra atan, hadra shaytaniya ou hadra rabbaniya. Donc, quand les gens sont en transe pour des raisons autres, en s'attachant aux choses et en s'attachant aux choses finies, aux choses éphémères, ils font des transes en discothèque, fers, il y a une transe. Hein? Mais la transe, c'est-à-dire le hadra de Dieu, c'est autre chose. Elle n'aboutit pas à la même chose, elle ne démarre pas de la même chose, ni de la même niya, une intention, ni dans le même contexte, ni avec les mêmes outils. Voilà. La musique, elle peut te dire que un instrument du diable, ça, malgré que le hadith, il est daïf, mais ça, te dit que c'est un instrument du diable. Et la musique peut être un instrument pour arriver à Dieu, comme dans la Maulawiya et comme dans d'autres. Voilà. Une autre question, madame. Moi, j'ai demandé si je vous choquais un petit peu, mais en tant que bonne musulmane qui suit uniquement les préceptes du Coran et quelqu'un qui suit la voie du soufisme. Moi, je voudrais connaître un petit peu la différence. La différence, madame, c'est que quelqu'un, c'est vrai que la sharia, c'est-à-dire suivre les préceptes, la prière, l'aqida, le siyam, tout ça, en fait, il s'est fait pour aboutir à cette connaissance dont parlent les soufis. Il y a prière et prière, il y a siyam et siyam, il y a la vie de tous les jours. Il y a une vie et une autre vie. Il y a des degrés de perception. Il y a ce qu'on veut soi-même. Est-ce qu'on veut rester de manière restreinte dans une petite dimension, en fait, qui ne sied pas à notre dimension humaine, profondément humaine? Ou est-ce qu'on a de l'ambition dans l'amour, hein, pas de l'ambition dans le... Donc, dans la prière, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wa la dhikrullahi akbar. Dans siyam, la'allakum tattaqun. Kutiba 'alaykum as-siyam kama kutiba 'alladhina min qablikum. Fil akhar, la'allakum tattaqun. Darajat at-taqwa, c'est darajat la crainte de Dieu et pas la crainte de haram et halal. Non, l'haybat Allah subhanahu. Et donc, l'amour, c'est
l'enseignement de la prière. C'est l'enseignement de Rumi, quand Shams est parti. Hasb al-Hirman, Siyam, c'est en quelque sorte ce genre de Hirman, volontaire. On s'habitue, c'est-à-dire on est en train de faire des entraînements. Donc ce Hirman, il zid fil hub. Donc le Siyam, il ajoute fil mahabba. Et des fois, dans la vie courante, ce qu'enseigne le prophète et enseigne les maîtres après lui, c'est que ça dépend de comment on l'appréhende. Est-ce qu'on l'appréhende? Il faut surtout pas se dire, on est tous des êtres humains. Il faut avoir une grande vision de l'être humain, de ce que nous sommes tous. Hein? Il y a un adage soufi qui dit, man nadara ila al-ashya bi nadrati at-ta'dhim استمد منها وصار عند الله عظيما ومن نظر الى الاشياء نظره التحقير استمدت منه وصار عند الله حقيرا toujours التعظيم le soufi n'importe quelle petite chose il la voit dans une vision d'agrandissement ma يحقر حتى حاجه النمله ما يحقرهاش هو يحقر نفسه الاماره بالسوء واللي تقول له انت خير وانت افضل وانت كذا بس ما يحقرش النمله ويعظم النمله ويعظم كل حاجه وصغير هذا هو ليسبري صوفي سي ليسبري دو حبيب دو رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما يحكي في الروايات ويذكرها بلون عربي في الفتوحات il était accompagné de certains de ses compagnons رضوان الله عليهم جازوا devant un cadavre d'un cheval ou d'un ses compagnons se sont exclamés « Oh, puanteur, oh, puanteur !» Rasulallah s'est exclamé spontanément, directement « Oh, la beauté de ses dents, de la blancheur de ses dents !»« Ma ahsana bayada asnani !» Chefto, le mitel, le grand mitel, c'est Rasulallah. Donc, toujours, il voit les choses plus tardées, toujours plus. Sommet du sommet, il n'y a rien, le cadavre puant qui se donne, lui il voit quelque chose de beau. Que ma ahsana bayada asnaniha ou la asnanihi ou la. Ou l'autre directement, non. Vous voyez, c'est cette attitude que le soufi cherche. Donc on cherche, on est bien. Et puis c'est pas nous, quand on fait, ou là par exemple notre prière, ou la siyam, ou là, quel que soit ce qu'on fait, le dhikr, c'est pas ça qui nous fait arriver. C'est Rabbi qui nous fait arriver. Donc, Inch'Allah, vous allez voir la sourate Yusuf alayhi salam qu'on va publier, Inch'Allah. Normalement, Radoua, je reçois la dernière épreuve. Vous allez lire l'exégèse de Sidna Yusuf, le sort de Sidna Yusuf, par trois grands et précurseurs exégètes soufis de à peu près 4e, 5e siècle, où vous serez étonnés de la somme de leçons que nous apprend, des leçons de vie, hein, de vie mais profondes, que nous apprend cette merveilleuse sourate et ce que on fait ressortir ces soufis. Et c'est là ce qu'on cherche. Donc, qu'est-ce qu'il est le soufi? Il est rien. Il est le soufi. Moi, je suis le soufi. Il cherche sa fa, il cherche sa fa. Il cherche sa fa. Il cherche sa fa. Il cherche sa fa. هو المشكل يعني في نفسه المشكل et puis il apprend à aimer les autres tous les autres toute l'altérité du végétal à l'animal du minéral au végétal à l'animal mais بين العرش والفرش يعني هكذا voilà une autre question c'est Ali. J'ai une question par rapport au secret. Vous avez parlé de Tebriz, son voyage d'un mois avec le fils de Rumi, il lui a révélé des secrets. Moi, je suis très curieux sur ces secrets-là. Est-ce que ces secrets sont révélés aux gens ou ces secrets-là sont-ils juste des leçons de vie et des comportements qui permettent justement des relations ou qui permettent de mieux vivre? C'est des secrets qui ne sont pas révélables, qui sont exprimés chaque fois de manière différente
par la personne qui les a en elle. Parce que dans chacun de nous, il y a une manière de voir qui est juste, mais qui est différente. On exprime ses secrets différemment, d'un maître à l'autre. Parce que chacun a une chérie, le côté, hein, sa propre vision esthétique de la chose, son propre ressenti, mais aussi c'est des révélations. C'est des révélations. Des fois, on est en face d'un maître et on voit des choses en lui. Voilà. Et donc, ce genre de choses que Sultan Walid a dû voir avec. Et si le maître ne permet pas, on ne voit rien. Mais si il permet, on voit. Voilà. Donc, Machi, Fnemenem Fakatoul, Hatta, Fliakata. Donc, c'est un monde qu'on ne révèle pas. Il y a un parallèle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'insan qui raconte les ébats entre lui et son épouse, et là, entre elle et son époux. Et ah, il va raconter comme il y en a de jayhin, comme il y en a de kainnes, pas très longtemps. Il raconte les ébats entre lui et son épouse ou l'épouse. Ça doit rester dans l'intimité. Si c'est beau, c'est beau entre eux. Ce n'est pas racontable. Et ça sert à quoi de raconter? Il faut vivre ces choses-là. Si on raconte, c'est pour des raisons maladives. Hein? Entre l'intimité, Dieu est dans notre intimité, il n'est pas en dehors. Donc, il est là, dans l'intimité. L'intimité ne se révèle pas. Et puis, ces choses-là ne se disent pas, parce qu'elles se vivent. Si on vous le dit, ça devient un voile en plus. Il y en a plein, les voiles. Parce que Dieu est dans l'arbre, dans les êtres que l'on voit, dans le ciel, dans la terre. Il est partout, Dieu. Là, nous sommes aveugles par les voiles. Donc, si on rajoute les voiles, un autre voile au voile, ça ne sert à rien. Donc, il faut rester, ne pas trop parler. Les personnes qui parlent beaucoup pour ne rien dire ou pour même pour dire quelque chose, le silence. D'ailleurs, Rumi, dans chaque vers, il dit silence, 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 silence. Le silence. Voilà. J'espère que j'ai un petit peu. Votre question? Là, j'ai travaillé par exemple longtemps dans une administration, toute arabisante que j'étais, j'ai perdu un peu la main. Perdu un peu la main avec l'arabia. En bas, comme j'ai repris par la lecture. J'ai repris par la lecture. Quand on a des rudiments d'arabe, on peut le lire. C'est pas un ça. On va sentir. Hein? Il faut faire attention au ressenti de chaque langue. L'arabe et le persan, d'ailleurs le persan, il y a beaucoup d'arabes dans le persan. Hein? Et également dans l'arabe coranique, il y a du persan. Mais les langues sont au moment de la révélation du Coran dans le cœur du prophète, c'est le prophète qui a arabe. Le Coran a une langue, mais une langue, mais une harf. On a fait. Rabbi m'a dit le Coran a une harf, a une langue, a une harf. C'est le cœur de Rasulallah qui a changé la langue. فهمتوا وهذا الحيرة شكون هذا رسول الله أنزله على قلبك عجيب رسول الله عشان يعني فوق الانتندمون فوق العقل ما وراء العقل
إذا كان الأولياء ما وراء الله فما هو رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم ما وراء الله حتى يقال العلماء de puissant art dans tout le film de Hollywood Moïse قال العلماء الله سبحانه وتعالى تكلم مع كلمه عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام بدون حرف وبدون صوت لأن الصوت c'est des vibrations, c'est physique. Dieu n'est pas physique. الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد ليس كمثله شيء. فهمتوا يعني الله سبحانه وتعالى إذا كانت الجنة كل ما يخطر في بالك في الجنة يعني مغايرة لذلك فما هو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نعرف النور نعرفه الله نور السماوات النور ماش هو الذات الصفات ماش هي الذات يعني كيفاش نعرفه ربي سبحانه لو كما تروحوش للسوفيز والعرفاء الكبار ما تقدروش تعرفوا الله أهل الظاهر تلك بضاعتهم مزجة ما تقدرش عندهم غير شوية ما عندهم دايور شوف سي سنتي لزاويات On n'étudie pas les sublimes noms de Dieu. Ref Zawiyat Iqaw, Yatadarasuna, Asma Allah al-Husna, wa Shuruh, Asma Allah al-Husna. Laisse la personne ta'arif roha, les marifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'aniha ila akhiri, yitbahru, yitdkhlu fadlakhu. Voilà. C'est bon? Voilà. Je vous remercie encore. Donc la suite, ça se passe en bas, donc c'était Mohamed va descendre, si vous voulez une dédicace ou même un peu... D'ailleurs, il va être traduit, Inch'Allah, il va être traduit, pour qu'il soit, surtout pour l'Occident, je me dis, nous avons appris à vous, Romains, etc. Hum, jazz, dans le monde arabe, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Kibar salihin, ou kibar akademiin, dans le monde arabe. Donc, c'est l'Akoub. ليدار لا لابريفاس عيسى علي العاكوب عاد ترجم فيه ما فيه وترجم بزاف كتب الرباعيات وترجم كذا سي تان انسينون لونيفرسيتي دو داماس لا ليتيراتور بيرسان وكاين استاذ علي الشابي التونسي لو بيتي فيس دو ابي القاسم الشابي بروفيسور دو ليتيراتور بيرسان الي اوكبير فوق 80 كذلك الى بريفاس هذا Cheikh Al-Aqoub qui il a préfacé la traduction de Aïcha Moumen ici. Donc il y a des traductions de Rumi depuis tout le temps dans le monde arabe et il existe, la tariqa elle existe, etc. Voilà. Donc Adin, Inch'Allah, il sera traduit. Vous serez mis au courant, je pense, sur la page de la page Facebook et sur notre page. La page et tout, on aimerait bien les avoir. Oui, bien sûr, on doit vous donner tout ça, pas trop. Donc voilà, vous trouverez Zidi Mohamed.